Bonjour. Je représente une réponse à une question qui m'a été adressée de la part d'un collègue par rapport à l'admission automatique des apprenants lors d'une séance synchrone organisée avec Meet. Généralement, lorsque vous organisez une réunion synchrone, donc la représentation ou bien la démonstration de l'organisation des réunions synchrones, je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, on est en présence de cette interface, donc on clique sur participer à la réunion pour qu'on puisse par la suite assister à la réunion et on invite les apprenants. Mais à chaque fois, lorsqu'on est au cours de la réunion, on rencontre souvent le fait que plusieurs retardataires viennent en retard et donc le présentateur sera à chaque fois amené ou bien invité à les accepter un à un. Donc pour résoudre ce problème-là, j'ai essayé de chercher un petit peu. Il y a une application ou bien une extension qui s'ajoute à Chrome qui vous permet d'accepter tout le monde sans faire en quelque sorte l'acceptation un à un ou bien sans accepter les utilisateurs un à un. Donc l'idée est très simple, vous allez sur Google et vous allez cliquer Admission automatique pour Google Meet. Et à ce moment-là, on va trouver la première extension qui est là. Donc si je clique sur cette extension, donc l'extension, vous la reconnaissez avec un bouton, je clique sur Ajouter à Chrome et puis Ajouter l'extension. Voilà, l'extension, elle est déjà existante, donc elle est opérationnelle au niveau de mon navigateur Chrome. Pour vérifier, je peux aller vers l'emplacement des extensions pour vérifier ça. Donc on va aller vers extensions. Au niveau des extensions, voilà, on peut vérifier que l'application, elle est là, elle est fonctionnelle. Et à chaque fois, lorsque on organise une réunion, les utilisateurs seront admis automatiquement. Si on ne veut pas, en quelque sorte, que cette option sera opérationnelle, on peut désactiver l'extension. Donc, on a la possibilité soit de l'activer, soit de la désactiver en fonction de nos besoins. Voilà, on peut constater ici au niveau de cet enregistrement que l'utilisateur a été ajouté automatiquement sans intervention de la part de l'organisateur de la réunion. Voilà, donc c'était l'objet de cette vidéo. Je reste à votre disposition en cas de besoin. Merci.